Bonjour à tous et bienvenue sur Jérémy Ster. Aujourd'hui, une nouvelle critique d'un écrit de jeunesse de Lovecraft, Le vaisseau mystérieux. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, l'histoire n'a pas vraiment de sens, elle a un peu ni queue ni tête. En tout cas, c'est difficile de la comprendre, mais en gros, c'est une histoire de pirate. Il y a un homme qui disparaît, à la fin, il est retrouvé. Il y a aussi une histoire, une bataille avec un sous-marin. Donc, on peut voir que déjà, il y a une sorte de mélange des genres. Mélange de récits de piraterie avec un récit plus, un petit peu science-fiction avec une bataille avec des sous-marins, tout ça. C'est assez particulier. Et comme je vous l'ai dit, on a vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe dans cette histoire. Donc c'est pour ça que je ne peux pas lui accorder une bonne note, je ne peux mettre que 1 sur 5. Alors bien sûr, prenons en considération le fait que Lovecraft a écrit ça quand il était un enfant. Forcément, ça ne reflète pas ses écrits en tant qu'adulte. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je tiens à vous faire part d'un questionnement que j'ai. Alors, vous pouvez me trouver dur avec mes notes sur les écrits de jeunesse de Lovecraft, mais justement, je me dis, quel était l'intérêt de les publier, que ce soit dans l'édition dont je parle, chez Mnemos, ou même chez les autres. Pourquoi mettre ça au grand jour? Parce qu'en fait, ce n'est pas Lovecraft lui-même qui a souhaité publier ses écrits de jeunesse. Ils l'ont été à titre posthume. Alors je n'en vois pas l'intérêt parce que forcément, ils ne sont pas bons. Et je trouve qu'on perd du caractère un petit peu légendaire de Lovecraft. Un artiste, il a envie qu'on voit son œuvre finie. Il n'a pas envie qu'on voit toutes les erreurs qu'il faisait en tant qu'enfant, tous ses tâtonnements. Alors bien sûr, ça peut être intéressant. Par exemple, quand vous voyez un film, de voir le making-of. Ça peut être intéressant de voir les brouillons d'un livre. Ça peut être intéressant aussi de voir les croquis d'un peintre. Mais là, c'est quand même différent. Là, on n'est pas en train de lire le brouillon de l'appel de Cthulhu, par exemple, ou des montagnes hallucinées. Non, là, je parle d'écrits de jeunesse. Des choses qui n'avaient pas vocation ni à être publiées, ni même forcément à être lues par d'autres. Et c'est pas le brouillon d'une histoire qu'il a ensuite améliorée. Bien que pour le vaisseau mystérieux, il existe deux versions, une version longue et une version courte, mais les deux sont vraiment, pas bonnes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, est-ce que vraiment on avait à lire les écrits de jeunesse de Lovecraft? Alors ils sont publiés, donc j'en parle, bien sûr, mais voilà, ça m'aurait pas dérangé de ne pas les lire. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire comme analyse sur ça. On peut voir peut-être ce qu'il aimait bien dans son enfance, peut-être les pirates, les choses comme ça, les histoires autour de trésors. Mais après, par rapport à... on peut voir un petit peu d'où est parti son style, et encore. Je pense que c'est plus intéressant de lire les brouillons d'écrits qui ont ensuite été publiés, d'écrits adultes, de voir un petit peu... les changements qu'il a fait dans son histoire, les changements qu'il a opérés, les premières versions. Mais les écrits de jeunesse, franchement, moi je trouve que ça ne valait pas le coup de les rendre publics. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Jérémy Ster. Tu veux soutenir la chaîne tout en obtenant quelque chose en retour? Alors achète mes livres et tu passeras un bon moment avec des récits fantastiques ou de science-fiction. Tous les liens sont en description. Tu peux aussi m'aider en partageant cette vidéo ou en cliquant sur celle que tu vois juste ici. Bonne journée et à bientôt sur Jérémy Ster.